Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, on met les mamans à l'honneur avec une recette délicieuse et fruitée. Nos petits gourmands vont devoir réaliser des sablés à la confiture de fraises. Et un petit peu de magie ce mois-ci avec une impression sur les biscuits. C'est parti pour la recette. Versez dans un grand bol le mélange pour biscuits. Ajoutez 120 g de beurre bien mou, mais attention, pas fondu. Incorporez le beurre dans la farine avec les doigts. Puis sablez, c'est-à-dire frottez la farine et le beurre entre vos mains pour obtenir une poudre. Vous devez obtenir un mélange qui ressemble à du sable. Ajoutez un œuf moyen et commencez à mélanger avec une spatule. Terminez de mélanger avec les doigts en récupérant bien toute la farine. Petit à petit, la pâte va se former. Vous devez obtenir une pâte bien lisse et homogène. Maintenant, coupez la pâte en deux. Et reformez une petite boule. Prenez du film alimentaire et écrasez délicatement la pâte. Ce sera plus simple pour l'étaler par la suite. Filmez-la et gardez-la au frigo pendant 20 minutes. Disposez une feuille de cuisson sur le plan de travail. Puis aplatissez par-dessus l'autre moitié de pâte avec les doigts. Placez une seconde feuille de cuisson sur la pâte et faites-la bien adhérer. Étalez la pâte entre les deux feuilles avec un rouleau à pâtisserie. N'appuyez pas trop fort, elle va s'étaler petit à petit. N'hésitez pas à demander à votre partenaire de pâtisserie de bien maintenir la feuille pour éviter qu'elle ne bouge. Tournez régulièrement l'ensemble pour que la pâte soit étalée de façon uniforme. La pâte doit faire une épaisseur de 3 à 4 mm. Si vous avez des petites vagues, lissez la pâte avec la main. Retirez délicatement la feuille de cuisson. Déroulez la feuille de transfert délicatement, puis retournez-la pour mettre les motifs sur la pâte. C'est important, faites bien adhérer la feuille à la pâte. Lissez avec les doigts pour qu'il n'y ait pas de bulles, sinon le motif ne se collera pas à la pâte. Glissez la pâte sur une plaque de cuisson et mettez-la au congélateur pendant 30 minutes. Il est temps de préchauffer le four à 160 degrés sans la chaleur tournante. Farinez le plan de travail et votre rouleau à pâtisserie. Étalez l'autre moitié de la pâte. Tournez-la régulièrement pour qu'elle ne colle pas au plan de travail. La pâte doit faire 3 à 4 mm d'épaisseur. Découpez des ronds avec l'emporte-pièce. Et rangez-les sur la plaque de cuisson. C'est parti pour 15 à 16 minutes de cuisson à 160 degrés sans chaleur tournante. Récupérez la pâte au congélateur et glissez-la sur le plan de travail. Retournez l'ensemble et décollez délicatement la feuille de cuisson. Remettez-la en place, ce sera plus simple pour découper les biscuits. Retournez l'ensemble de nouveau. Maintenant, décollez en une fois la feuille de transfert. Profitez que la pâte soit toujours congelée pour découper des ronds sur la zone recouverte de motifs. Faites attention de ne pas effacer les motifs avec les doigts. Rangez-les sur la plaque de cuisson. Découpez le cœur au centre du biscuit et mettez les cœurs sur la plaque. C'est parti pour 14 minutes de cuisson à 160 degrés sans chaleur tournante. Surveillez bien la cuisson pour que ça ne colore pas trop. Retournez les biscuits côté plein. Prenez notre délicieuse confiture de fraises. Déposez une petite cuillère de confiture sur chaque biscuit. Puis étalez bien sans déborder pour avoir une bonne épaisseur de confiture sur tout le biscuit. Déposez le biscuit côté cœur sur la confiture en appuyant délicatement, juste ce qu'il faut pour faire passer un peu de confiture au travers du cœur. Rassemblez tous les petits cœurs et saupoudrez-les de sucre glace avec un petit tamis.
déposez une toute petite pointe de confiture sur un côté du biscuit. Récupérez un petit cœur. Puis déposez-le délicatement sur la pointe de confiture. Et voilà nos jolis cœurs de confiture prêts à déguster en famille. Et s'il vous reste un petit peu de confiture, vous en aurez pour le matin, elle est délicieuse. On a hâte de voir vos jolies réalisations sur les réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de nous mentionner sur nos comptes Instagram et Facebook. En attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine recette et amusez-vous bien.